puisque tu avais vraiment la clim au salon, mais elle se couchait là-bas, elle était bien. Elle n'avait pas de problème du fait qu'elle dormait là-bas au salon, elle n'avait pas de problème, elle était dans la clim, elle avait une douche pour elle, elle avait tout ce qu'il faut. Elle avait tout ce qu'il faut. Donc je ne sais pas pourquoi on va s'attarder sur ça. Moi, mon problème est que pourquoi est-ce que si elle avait n'importe quoi, quand on arrivait au Cameroun, elle pouvait venir faire moi, me dire que maman, voilà ce qui s'est passé. Je devais résoudre ce problème une fois avec les autres. Et ça ne devait même pas arriver sur la toile. Je ne sais même pas comment ça a fait pour arriver sur la toile. Qu'est-ce qui s'est passé que ça arrive sur la toile? Donc, quand on était là-bas, c'était pour venir faire des problèmes. Moi, je suis une femme qui aime la paix, je n'aime pas les problèmes. Et je te dis encore, si je sais que tu es en train de me suivre, quel qu'en soit ce que tu as, même je m'en fous de tout ce qui te passe actuellement sur la toile. Si tu as un problème, viens. Viens, je suis ta mère, on va s'asseoir et on va poser. Vraiment, maman Tonga, elle est sous les fers. Si vous avez constaté, quand elle parle, vraiment, c'est comme si elle veut pleurer, c'est difficile pour elle. Et vraiment, elle ne voulait pas faire ce direct, mais à cause de tout ce que j'étais en train de dire, comme quoi elle maltraite les gens. Maman Tonga a beaucoup d'enfants, et quand elle voit tout ça, ça lui fait tellement de mal. Ce que Cindy a raconté là, c'est pas comme si ça s'est passé, on n'était pas là, nous étions tous présents là-bas. Déjà, quand Cindy arrive, moi et toi, t'es dans la chambre. On descend en bas, c'est-à-dire qu'il faut nous avoir informé quand même à moi. C'est parce que peut-être que tu ne connaissais pas, même pas. Peut-être que tu ne connaissais pas Cindy, mais il avait peut-être il avait, il avait dit que Cindy devait arriver. On a dit, ok, moi jeunes, je connais. Moi, peut-être que tu n'as pas peut-être pensé, tu avais dit que Cindy devait arriver. Déjà, moi, je ne suis pas très connaissée, je l'avais jamais vue physiquement, mais je la connaissais sur les réseaux. Donc, du coup, quand elle est arrivée, c'est ce jour qu'elle arrive, c'est le jour où je t'avais acheté le téléphone. Puisque c'est elle qui a arrêté le téléphone pour faire la vidéo. Ah bon? Oui, c'est elle. Le jour du téléphone, là, c'est je la connaissais, c'est elle. Il y avait plusieurs filles qui venaient là. C'est elle qui faisait la vidéo sur ah bon, hein? Oui. Tu mais c'est que quand Cindy est arrivée, elle était réservée, elle était dans son coin, elle ne parlait à personne. Elle était juste tranquille. Si elle faisait l'effort de parler, c'était peut-être avec les autres. Mais sinon, c'était toi ou moi. Elle ne parlait à personne. Donc, du coup, quand on a fini avec le téléphone, on est monté, on est parti se coucher. Mm-hmm. Maintenant, on ne savait même pas ce qui se passait. Parce que moi et maman, on ne descendait jamais. Donc, tout ce qui se passait, moi, on n'était même pas au courant. Au courant de quoi? Ce qui fait que quand on était dans la chambre, quand on se réveillait le matin, qu'il fallait cuisiner, on sortait, l'homme de ménage nettoyait. Mm-hmm. Quand elle était à la cuisine, elle venait m'appeler que ma fille vient pas préparer. Donc, un jour, parce qu'un jour, si j'étais assise au salon, je suis venue appeler Cindy, elle dit que viens, on va préparer ensemble. Elle a dit que ok, il n'y a pas de souci. Elle est arrivée, juste quand même la première vidéo que j'ai postée, on était en cuisine. C'est elle-même qui faisait cette vidéo-là. Ensuite, maintenant, je ne comprends pas pourquoi toutes ces choses se retrouvent sur la toile. Si Cindy avait eu un problème là-bas, elle pourrait venir se confier à moi comme elle a fait au début. Quand elle arrive, quand j'ai constaté qu'elle devait, je me demandais, toi, c'est qui? Elle a commencé à m'expliquer. Et c'est comme ça, quand j'ai vu qu'elle avait les tatouages partout, je me dis que ma fille, ces choses-là, à la longue, va devenir un poison dans ton corps. La même chose que tu as dit, c'est ce que j'ai dit à Congress. Les enfants m'ont fait comprendre que non, que c'est le dessin, demain ça va quitter après un temps, que ça ne colle pas. Et que ok, comme je ne connais pas ce qu'on appelle tatouage, je ne l'ai jamais fait, si ça va quitter, c'est bon. Mais je ne comprends pas comment, avec tout cet amour que je donnais à cette fille, je donnais de l'amour à tous ses enfants. Je dis bien à tous ses enfants, tu ne verras aucun de ses enfants venir dire que maman Tonga nous a fait ceci. Non, moi je ne suis pas là pour ça, je ne connais même pas maltraiter, cette histoire de maltraitance avant de le faire. Donc comme je disais tantôt, le premier jour qu'elle est arrivée, c'est le jour que j'avais donné le téléphone. Non. Le lendemain maintenant, il fallait qu'on cuisine. J'étais couché dans la chambre. Le gars du ménage, j'étais maman Tonga, le ménage est venu dire qu'il veut nettoyer. Maman Tonga a dit ok, pendant ce temps on doit aller préparer. C'est comme ça qu'on est descendu dans la cuisine. On devait préparer ce jour. Cindy était au salon. C'est moi qui suis venue appeler Cindy que Cindy vient, on part cuisiner. Elle arrivait, m'a fait les vidéos, on parlait, on riait, on sympathisait, après c'est passé. Maintenant Cindy, donc on a dit bref, le problème c'est qu'on n'a même pas cherché à savoir où est-ce que Cindy dormait. Vu que quand 18h sonnait, on montait dans la chambre, on partait dormir. Cindy n'avait même pas rapproché vers nous. Moi je ne pensais pas comment ça se passait avec les gars en bas. Tantôt je comprenais que où elle avait qui. En fait, c'était trop mélangé dans la maison là que toi et moi on était réservés. On descendait pour préparer, soit on descendait pour sortir, soit on était dans la chambre en train de dormir. Donc on ne connaissait pas ce qui se passait. Et elle ne s'est pas rapproché vers nous pour nous parler. On devait pas être magicien pour savoir qu'elle dormait au salon. Est-ce que Unicha a descendu en bas? Tu as vu Cindy? Je descends jamais de la vie. C'était une villa, c'était une très grande villa. On ne connaissait même pas ce qui se passait. Je ne connaissais pas quelle était la chambre de telle. Moi je savais déjà que vu qu'elle a posé avec certaines personnes qui arrivaient là-bas, ils avaient apposé par rapport au logement. Donc on ne s'intéressait même pas à ça. Dans la villa, là, chacun était de son côté. Donc quand Cindy vient dire que maman Tonga lui maltraite, ça n'a même pas sa place. Parce que bien après des jours qu'on est resté là-bas, on est sorti. Nous sommes partis sur la tombe de Fer Rafa, nous sommes partis assignés au soin, c'est abusé. Avec elle. Avec elle, vous pensez donc, vraiment que la maman Tonga, effectivement, on allait ensemble. Vous pensez vraiment que si cette maman la maltraitait ou la détestait, elle devait être avec nous. Effectivement. Et peut-être, tu sais que quand le soir arrivait, il y avait tous les autres avec qui on était. Quand ils se mélangeaient déjà, nous on n'était pas, on montait. On montait. Elle restait là-bas avec les gars. Ils étaient en train de discuter, de rire, Tout ce qu'on comprenait de plus haut, c'était les cris. Donc on ne voulait même pas savoir ce que. On voulait la savoir. Musique, ils s'amusaient, ils étaient en famille. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je savais qu'on était là-bas comme une famille et je laissais les enfants faire leur toute jeunesse là-bas. Donc je ne comprends pas où notre gars vient qu'on a chassé, on a fait ceci, on a fait cela. Aïe! Donc c'est à mon nom passe de temps, mon nom passe de que j'ai droit à voir là. En fait. Donc du coup, je ne pense pas que tu pouvais être là et comme elle dit qu'on la maltraitait, on la parlait mal, tu devais être là, tu devais regarder et laisser. Non, je ne pouvais pas. Moi, je ne peux pas. Je ne pouvais pas.
Je ne pouvais pas. Et elle ne s'est plus rapprochée de moi pour me dire que voilà ce qui se passe quand vous n'êtes plus là. Quand vous montez, vous couchez là, voilà ce qui se passe. Je ne pouvais pas. On dit ici qu'elle n'a jamais dit que tu l'as maltraitée en fait. Donc... Je ne vois pas, je ne peux même pas me voir. Ah, quand elle partait, regarde, quand elle partait, même on n'était même pas au courant. On ne savait même pas. C'est-à-dire que tout ce qui se passait en bas, c'est comme si on n'était même plus dans l'immeuble, là, en fait, on était même plus dans la villa là. Le jour qu'elle partait, on devait préparer. J'ai dit à ma fille Cindy de venir, on entre à la cuisine. Parce que ce moment-là, Cotose avait eu un mal. Elle avait un mal, elle avait mal de ventre. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas descendre. Apparemment, c'était sa douleur de menstruation, un truc comme ça. Et elle avait mal. Moi, je suis une femme, je comprends. Je peux faire que c'est la douleur, les règles douloureuses. Alors, j'ai dit à Cindy, ma fille, viens, on entre à la cuisine. Et avec ma autre fille blonde du Cameroun, elle était là au salon, elle est venue nous rendre visite. J'ai dit à ma fille Cindy que viens, on va préparer. Elle me dit, je sors. J'ai dit, ok. Blonde a suivi sa blonde et après la cuisine avec moi. Elle est venue. Moi, c'est tout ce que c'est tout. Hein. Quand elle a dit que je sors, je sais quitter. Je sais moi aller à la cuisine. J'ai commencé à prêter les trucs pour faire à manger. Après, c'est là où il faut demander que tu sors comment alors qu'il faut que tu entres à la cuisine. Elle dit que son yango est déjà dehors. Elle dit que son yango est déjà là. Elle est partie avec le yango. Elle est partie avec le yango. Nous sommes restés, on est restés préparés. Il faut lui a dit ce jour-là, quand tu pars, ne reviens plus, ne reviens pas ce soir. Parce que c'est la colère, donc c'était la tension. Même si c'est toi. J'ai essayé de calmer j'ai essayé de le calmer. Il s'est calmé. Et puis, bon, on l'attendait le lendemain. Je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas si elle était revenue ou pas. Parce que quand le matin, parfois, quand je descends, elle est déjà sortie. Et le soir, quand elle rentre, moi je dors déjà. 19h là, 20h, je suis moi déjà au lit. J'ai constaté bien après qu'elle n'était pas. J'ai posé la question à savoir, mais attends, Cindy est toujours dans cette maison. On me dit que depuis le jour qu'elle est partie, elle n'est plus revenue. Je suis allée, je suis montée, prendre mon téléphone. J'ai essayé d'écrire à Cindy, elle n'a pas répondu. J'ai appelé Cindy, Cindy ne m'a pas répondu. J'ai appelé une amie avec qui elle était très proche, Marie. Une bonne amie à elle là-bas qu'elle a croisée là-bas, Marie. J'ai appelé Marie, que Marie, pardon. Là où je suis, je ne connais pas Cindy, Cindy est dans ton pays et que je ne connais pas où Cindy se trouve. Il y a eu des petits problèmes, mais ça, Cindy est partie. Cindy, tu connais où Cindy est? Marie me dit que Cindy est chez moi. J'ai dit gloire à Dieu. Ça veut dire qu'elle est entre les bonnes mains. Marie a dit ça à Cindy. Cindy sait que j'ai appelé. J'ai appelé pour qu'elle rentre. J'ai dit que, ok, dis-lui que j'ai appelé et que depuis, je n'ai pas eu de ses nouvelles. C'est ça que je m'inquiétais parce qu'elle n'est pas dans son pays. Mais avec tout ça, la maltraitance est où dedans? Pardon, dites-moi, parce que qu'un enfant, je sais que l'enfant n'est pas dans son pays, et pas, je prends la peine de décrire l'enfant, l'enfant ne répond pas, j'appelle l'enfant, ne réagit pas. Et je prends également la peine d'appeler la personne avec qui elle était partie. Et la personne m'a dit que non, maman, ne t'inquiète pas, Cindy est chez moi. Donc Cindy avait pris en considération le fait qu'on lui a dit que, comme tu parles, ne rentre pas ce soir. Ce soir, parce que le gars est en colère par rapport à son comportement, qu'on devait entrer à la cuisine, et c'est à l'heure qu'elle choisit pour sortir. Elle ne m'a pas dit qu'elle partait. C'est quand je suis allée lui dire qu'il faut qu'on entre à la cuisine. Elle me dit que non, je suis en train de sortir. Mais elle ne m'avait jamais averti la veille qu'elle va aller. Et je ne me souviens pas là où elle allait. Après, elle a dit qu'il y a un elle est partie. Donc, je ne sais pas comment. Et quand elle est partie, quand j'ai constaté qu'elle n'était plus là, j'ai pris la peine de chercher où l'enfant se trouve. Parce qu'elle n'est pas dans son pays. Mais quand elle vient parler de la maltraitance, franchement, moi, ça me fait tellement mal. Le mot maltraitance, ça me fait tellement mal. Que c'est à cause de moi qu'elle est partie. Parce que je lui ai demandé que ma fille vienne, on prépare. Parce que tu lui as dit que vient, on prépare. Quand tu t'es confié, moi, tu as dit beaucoup de choses que je ne peux même pas dévoiler ici. Je ne peux même pas passer, c'était une confidence. Et j'étais conseillé. Quand tu dis maintenant qu'après ça, je viens te maltraiter. Parce que tu m'as dit qu'on a fait la cuisine, maman. Une autre, que tu vas rentrer et manger, que tu vas manger. Quand tu vas que tu sortais, j'étais encore parlé. J'ai appelé Blonde qui était là, que maman vient me donner un coup de main. J'étais encore parlé quand tu es parti. Tu dis que comme ça, je te piégeais. Moi, je te piège par rapport à quoi? Parfois, je fais la cuisine à ma soeur, ça ne me dérangeait pas. J'aime d'abord faire la cuisine. J'aime cuisiner. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais dire. Si tu as un problème, maman, viens qu'on s'assied. Qu'on s'assied, qu'on cause. Arrête un peu d'aller la toile pour dire des choses. C'est pas maman, bien. On n'était même pas au courant de qu'on a maltraité comme elle dit là. Donc on ne connaît même pas ça. Je ne suis même on pas au courant de on connaît pas ça. Quand on montait dans la chambre, on ne connaissait même plus ce qui se passait au salon. C'est ce que tu dois comprendre. Qui te maltraite? Même le jour qu'elle partait, on n'était pas là. On a juste appris par derrière qu'elle est partie. Oui. Personne n'a voulu expliquer. Oui. On est resté tranquille. Oui. Mais pourquoi quand tu as eu ce problème, tu ne m'as pas écrit? Pourquoi quand tu as eu ce problème-là, tu n'es pas venu me dire que maman, comme je suis peut-être sortie, là, on a dit que on a fait ci, on a fait ça. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça? Pourtant, tu te confies bien à moi. Quand on veut sortir pour aller peut-être se balader, n'est-ce pas? Je te prenais toi et compris. Parce que toi, tu dois là-bas. Et compris, c'est là-bas. Nous sommes trois femmes là-bas. Je te prenais que nous, on sortait toujours avec toi. Comment tu viens encore venir me verser sur les réseaux? Je n'aime pas les problèmes, maman, pardon. Je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas qu'on indexe mon nom dans les choses. Je n'aime pas. J'aime vivre dans mon coin tranquille. Dans tous les cas, c'était un peu. C'est là que je voulais faire ce direct pour dire à ma fille, quel que soit ce que tu as eu, il fallait venir te confier à moi. Justement, maman, parce que par rapport au fait qu'on dit que Cindy a fait 3 jours sans se laver, moi, j'ai vu sur ma page que qu'on arrête ça.
qu'on arrête ça parce que ce n'est pas bien. Qu'elle a fait 3 jours sans ça. Ce n'est pas bien, lui. Ce n'est pas bien qu'on arrête ça. Non, c'est ça. J'étais dans ma chambre, qu'on arrête ça. Mais c'est qu'elle avait eu ses vêtements à Lisbeth. Même si elle avait oublié sa serviette, elle avait une douche à elle, elle avait une douche. Combien de temps elle avait sa douche, où elle pouvait se laver, faire tout ce qu'elle veut. Mais l'autre côté là, je ne suis pas contente, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas que quand je descendais, je la voyais déjà bien belle là, en noir noir. Elle aime bien le noir, la couleur noire, comme ça, donne une classe sur sa peau. Elle dit bien, une fille très belle et très propre. Donc tout ce qu'on dit contre elle là, c'est le sabotage. Mais elle doit arrêter de faire croire aux gens que maman Tonga c'est une mauvaise personne. Parce que les internautes ont commencé à tout mélanger. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu, oh, c'est monté, c'est descendu. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Si on fait ce direct, c'est pour vous dire que maman Tonga l'a jamais maltraité. Maman Tonga et moi, nous sommes au courant qu'elle dormait au salon. Est-ce qu'elle s'est... Au début là, non, on ne sait pas. C'est après quand on a su. Notre lit d'abord, c'est un lit de lieu place. Et est-ce que si c'était vous, vous devez accepter qu'elle quitte sur le canapé pour venir se coucher au sol? Donc j'ai préféré qu'elle reste là, mais ça n'empêchait pas que quand on ressortit pour faire nos balades ou bien pour aller tout d'abord, on la met. On la mémait. On la mémait. Sauf quand les enfants ressortent entre eux, les jeunes que moi, non, moi je refusais, je ne fais pas, je ne marche pas la nuit. Quand les enfants veulent entre eux, les jeunes la nuit, là, non, moi je montais et je ne sais pas ce qui s'est passé encore là-bas. Quand je monte là, avant de dormir, c'est pour me réveiller le matin. Donc si ce que tu as fait, ça m'a tellement blessé. Je ne te mens pas, ma fille, tu m'as blessé. Tu m'as vraiment blessé. Vu la façon que je me comportais avec vous, là-bas en Côte d'Ivoire, tu m'as trop blessé. Tu m'as vraiment blessé. Mais bon, je suis maman, je te pardonne. Hein. Je te pardonne et je laisse tout tomber. Il n'y a pas de problème. Viens, viens. Moi, j'aime la paix. Fais la paix, faisons la paix. Et tu fais la paix également avec les autres qui étaient là-bas. Donc faisons la paix ensemble, les problèmes ne sont pas bien. Nous sommes tous amoureux, nous sommes tous les frères ici. Les problèmes ne sont pas bien. Faites la paix entre vous. Ne dites pas que Pivo est monté, Claudio est descendu, à gauche, Tic est à droite. À vous-même, Tic, Pivo et autres, je vous dis, faites la paix. On est rentré de la Côte d'Ivoire dans la paix. Je ne connais pas où viennent encore ces genres de problèmes sur la toile. Mais pardon, faites la paix. Même s'il faut que je vous réunisse après ce direct. Que je vous réunisse ensemble après ce direct. Franchement, pour vous supplier de faire la paix. Parce que la division là, vous voyez là, ce n'est pas bien. Les problèmes ne sont pas bien.